Le point de vue est très très bien choisi. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Regarde. Regarde comment ils sont. Ils sont pas cassés, regarde. À chaque fois, c'est comme s'ils étaient chauffés. Il y a une courbure. Tu vois là ou pas? Sur tous, ils ont été pliés par une espèce de chaleur. Ah bah lui qui voulait pas y aller. Yeah! Il dit Linda, trop fière qu'elle est. Voilà, donc je suis en direct du crop circle qui est apparu dans
dans Sancerre. Donc je vous envoie quelques images. Voilà. L'originalité, c'est que les blés sont couchés. Et ils sont tous couchés avec cette espèce de pliure. Voilà, tous. On peut les prendre tous un par un. Voilà. Ils sont pliés, ils ne sont pas cassés. Et il y a une boursouflure. Voilà. Évidemment, il y a plein de personnes. Et là, on approche du cercle. Salut Eric. Ah. Et tiens, regarde. Tu les reprends n'importe où. Regarde bien. Regarde. Tu prends n'importe où, regarde comment ils ont été. T'as vu cette petite boursouflure? Tu vois, regarde. Tu peux les prendre tous. Ouais. Il y a une boursouflure. Ouais. Et c'est ça qui les plie. Ouais. Et ils sont pas cassés. Tu peux regarder, il n'y en a aucun qui est cassé. Et ils ont tous cette petite boursouflure, ouais, qui les plie au tiers. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, mais là, ils sont droits. Ouais. Ça ne les met pas d'équerre comme ça. Ouais. Là, ils sont à 45 degrés. Et tous, regarde. Mmh. Tous à 45 degrés. Mais là, ils en ont là. 90. Ils ont été pliés au niveau de la boursouflure. Voilà, ils ont été pliés, chauffés, sans casser. Mmh. Et pas ceux-là, effectivement. On peut voir qu'ici. Ils sont droits. Ceux-là sont droits. Il y en a qui n'ont pas du tout. Là, il y a plein de monde. Je vais aller au milieu du cercle. Ouais. Voilà. Je voulais vous faire partager ça. Si on voit. Je vois l'œil de qui va mon œil. Je suis dans le grand cercle. Est-ce que vous voyez? Je vais venir parce qu'il y a beaucoup de soleil. Il est vraiment très chaud. Voilà. Et il y a un autre cercle derrière moi qui passe par un sillon. Ça, c'est un sillon naturel. C'est un sillon de tracteur normalement. Mais il y a un autre cercle de l'autre côté. On va aller voir. En fait, les blés sont pliés à 45 degrés. Tous, partout. Alors que les autres sont droits.
toujours, là il y a mon ombre, mais voilà, on voit toujours les blés, ils sont pliés à, sans casser. Là par exemple, là il est cassé, là. Voilà, c'est à force de le toucher. Mais là, ils sont pliés sur leur nœud. Alors que quand ils sont droits, ils ne sont pas pliés sur ce nœud. C'est un nœud qui est très cassant. Si je, c'est l'endroit le plus dur du blé. Si je, voilà, à peine je le touche, il casse. Alors ceux-là, ils ont acquis une certaine souplesse au niveau du nœud. Le nœud n'est plus une zone cassante. En fait, ils ont été pliés. Moi, c'est la seule chose qui m'étonne vraiment, en fait. Donc, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, on le regardera tout à l'heure, c'est que le nœud double de volume et il devient une zone de souplesse au lieu d'être une zone de cassure. Voilà. C'est juste super. Il y a des avions qui survolent, des drones. Magnifique. Voilà. Allez, ciao, ciao. Ça, c'est bizarre quand même, on dirait que ça a commencé là. Parce que là j'ai un rail d'un sillon de champ normal. Et là on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui a tourné. Et qui est parti là et qui a fait une forme. C'est très curieux ça. Ouais. Allez, on voit. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Ça, je suis assez intrigué par cette forme. Voilà, à cet angle-là, là, c'est ce que je viens de filmer, on voit bien qu'il y a un sillon de traverse. On a l'impression que ça a démarré là. Mais si ça a démarré là, ça veut dire que c'est passé par un sillon classique. Thank you.
à 30% de radioactivité. Mon Dieu, c'est chauffé 20 à 30% de radioactivité. Hein? Alors qu'ailleurs, il n'y a pas autant que ça. Non, dans le... Alors, il dit dans les cercles plats, ouais. Ceux qui sont complètement couchés, il y a 20 à 30% de radioactivité en plus que dans les... Non mais il faut avouer quand même que ce côté des nœuds, qui sont des zones de cassure, tu l'as remarqué quand ils sont droits. Oui mais il y a peut-être une autre explication. Ah bah certainement qu'il y a une explication. Est-ce ça, que c'est ça quoi, pourrait pas être le fait qu'ils aient été couchés. Après ils veulent absolument se redresser les blés. Ils veulent se redresser. Donc hop, ils prennent l'oblique. Non mais attends. Peut-être que c'est une technique pour se redresser. Ouais, peut-être, mais n'empêche que sur un blé normal, ce nœud, c'est interdit d'aller. C'est préhistorique. Ouais, c'est interdit d'y aller. Sur les blés, ce nœud, tu le touches, si tu plies, ça casse. Le blé, je l'ai filmé. Le blé, il est dur, cassant à ce moment-là. Et les autres, c'est gonflé. Comme s'il y avait un liquide dedans, tu vois, un petit peu comme quand tu as une inflammation, à une articulation. Et du coup, c'est mou. Ah, c'est pas de chance pour l'artisan, mais quel spectacle magnifique. Maintenant, je vais juste vous montrer le point de vue qui est derrière moi. Bon, hormis qu'il y a plein de gens qui viennent voir la curiosité. Voilà. Et puis après, j'arrête. J'espère que vous allez voir le point de vue là-bas. Laurent, toi qui regardes, tu me diras si tu vois le panorama.